Moi, c'est Noah. Et c'est avec moi que vous ferez des cubes énergie tous les jours cette semaine. Puis à la fin de l'épisode, j'ai un invité spécial pour vous. Donc, on commence maintenant avec mes produits cardio. Ya, 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 ya. Hey, voilà, la passa. Les pros du cardio présentent la première édition des Jeux olympiques d'automne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'épreuve de triathlon. Allô Chloé! Salut Marianne! Puis t'es prête? Un triathlon, c'est pas évident. Non, non, je sais, mais oui, je suis prête. La partie trottinette me stresse pas pantoute. Frisbee un peu plus, mais je suis prête. Le segment frisbee? Ben ouais, ben, un triathlon là, frisbee, trottinette ou la hoop. Allô? Oh boy! Ok tout le monde, on se lève debout puis on se prépare. Allez, 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 on se lève, on se lève, on se lève, maintenant, maintenant. Oui, super, tout le monde sans exception. Tout le monde! Alors on va peut-être pas être les meilleurs en vélo, en course ou à la nage, mais je pense qu'on peut être les meilleurs entre les exercices. Tout à fait Marianne. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les transitions. Je suis prête. Premier mouvement, c'est pour se pratiquer à passer en dessous des racks à vélo. Fait que c'est assez facile, là. Premièrement, on se penche, on garde le dos droit. Swing, tu passes en dessous de la barrière. Colle tes jambes. Saute pour te relever, pour passer plus le fun de main. Puis on repasse l'autre bord. Swing. C'est ça, tu l'as. C'est pas... C'est parti! Swing. Saute. Swing. Puis là, bien évidemment, on a notre casse. Parce que... safety first, c'est ce qu'ils disent, hein. Sois sécure en premier. Fait que... on a notre casse. Je suis pas sûr que c'est ça qu'ils disent. Ben, en fait, Marianne, je vais te l'avouer, là, d'habitude, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils contournent les racks à vélo. Ben, nous, on passe en dessous, c'est plus rapide. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, hein? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense qu'ils sont d'accord et ils nous suivent depuis tout à l'heure. Chouin. Chouin, chouin. On peut accélérer un peu à la fin parce qu'on maîtrise le mouvement. Chouin, chouin. Schwings! Un petit dernier! Schwings! Et voilà! Ouais. Mission accomplie! Mission accomplie! Pour le prochain, on va commencer à terre. Parce que quand tu mets tes souliers en sortant de la nage, faut que tu apprennes à te relever comme du monde, oui, de façon rapide. Fait que regardez comment on va faire ça. Un pied, deux pieds, garde le droit. On se lève, et voilà! On retourne à terre, et on recommence. Et... 2, 3, ça n'aurait jamais été aussi fun de se lever. Schwings, schwings. C'est ça, elles sont bons pareil, t'as-tu vu ça? C'est une excellente performance à votre part. Ah, mais ça. Ne lâchez pas. Oh. Là, ce qu'on va faire, Marianne, à moitié, on va changer, on va se relever avec gauche en premier. Bon, c'est sûr, tu sais jamais quel soulier tu vas attacher en dernier. Fait que tu sois prêt. À repartir de n'importe quel bord. Ouh, de l'imprévu, on aime fait ça. Un petit dernier à droite, je te dirais. On va le faire encore 3-4 fois. Dernière fois. Et voilà. Très, très bon. Oh. Honnêtement, là, vélo, course, nage, je sais pas trop, là, mais on va être les rois de la transition, ça, je peux te le dire. Mais, hein. Donc, dernier mouvement. Là, il faut sauter par-dessus les objets des gens dans la transition. Ne pas écraser leur casque, leur lunette, tout ça, là. C'est vrai. On part les pieds collés. Là, je vais faire un pas à droite, un petit pas à gauche collé. Puis là, mon dernier pas, c'est le plus grand. C'est là que je saute par-dessus un objet. OK. Puis là, je repars l'autre bord. Un, deux. C'est ça. Et voilà. Là, on va y aller tranquillement. Oui. Puis on va accélérer. Deux. Et deux. Attention, un casque. Attention, une bouteille. Attention, un soulier. Ah oui, oui. C'est ça! Et voilà. Bon, c'est sûr que ça prend de l'agilité. Droite, gauche, droite. Non, c'est bien aussi parce que des fois, en fin de course, on peut devenir fatigué. Ben oui! Alors l'agilité devient importante.
très important. Attention de ne pas piler sur votre fierté. Là, on peut accélérer si on veut. Ah, mais c'est bien sûr. Boum, 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 boum. That's it, guys, lâchez pas. Marianne semble un peu tannée. Encore trois derniers, Marianne. Un test. Facile. Oh, c'est facile. Lâche pas. T'as la fin. Deux. Un. That's it. C'est fini. Oui. Good job. Bravo. Bravo. Honnêtement, là, les rois de la transition, c'est qui? C'est nous. On est très, très prêts pour le triathlon. Même pour le frisbee, je dirais. Il y en a pas de frisbee, Chloé. Il y en a juste pas. Alors, on se dit à bientôt dans une prochaine capsule. Bonne partie de mes propres Jeux olympiques, moi. Avec The Ultimate Frisbee pis la trottinette extrême. C'est quoi? J'irai. Ouais. Mario, l'école est terminée. Tu voudrais un peu de melon? Il est super bon. Non? T'es sûr? Il y a presque rien dessus. OK. Salut, Mario! On est enfin seul. C'est tellement excitant! On va pouvoir continuer à danser. Êtes-vous prêt? C'est parti! Comme le Bollywood demande beaucoup d'implication des mains, je vous propose un échauffement de doigts. Bon, maintenant qu'on est bien échauffé, c'est parti. Dans 3, 2, 1... À bientôt! Ah! Vous êtes là! Vous vous demandez encore c'est qui mon invité spécial? Ben, continuez de bouger et je vous le dirai bientôt. Quand j'étais un enfant, à Noël, j'avais tous les cadeaux que je voulais. Oui! Hey, le casque de police, la Barbie... Ouais, j'avais ouvert le cadeau de ma sœur. Mais j'ai jamais eu le petit dauphin jaune en toutou. C'est pas que j'ai pas essayé, hein, dans ma chienne à toutou, là.
Oui, la machine à toutou. Tu mets un dollar, tu contrôles une grosse pince, puis tu vas essayer de prendre le toutou que tu veux. Oh, j'ai tellement essayé, mais j'ai jamais, jamais eu le petit dauphin jaune en toutou. Oui. Vous avez une minute pour réaliser le rêve de votre choix. Wow! Je suis bien chanceux, moi! Mon rêve, ce serait de devenir assez petit pour pouvoir entrer dans la machine à toutou et aller chercher mon dauphin jaune moi-même. Ah ben oui, on n'est pas mieux servi que par soi-même. Vous venez avec moi? C'est parti! Oh! La machine à toutou. Une trappe. Faut se pencher, on passe par là. On y va. Oh là là, beaucoup de toutou. On n'aura pas le choix. Il faut grimper. Attention, coude droit pour rejoindre le genou gauche. On y va. Et l'inverse. Oui, c'est bon, on grimpe. On grimpe encore. OK, un petit peu plus vite. Wouh! On est rendu. Oh, la vue qu'on a d'ici, tous les toutous. Oh, une girafe qui me fait un clin d'œil. Hé! Mon dauphin jaune. Attention, maintenant, on devient la prince. On va aller le chercher. La planche, on s'en va vers la droite. Non, en avant. À gauche. On est proche. On avance. On se penche. On pince! Ah non, encore! C'est pas vrai. Je ne sortirai pas d'ici sans mon petit dauphin jaune. On plonge, tout le monde ensemble! 1, 2, 3, hop! Ah. OK. Où c'est qu'il est? On fouille. Aidez-moi! On enlève des toutous! On les enlève. Plus vite! On les enlève! Stop! Il est là! Mon petit dauphin jaune! Il est-tu beau? Hey! Merci! Je l'ai trouvé grâce à vous! Oh non! On est pris dans la machine. En même temps, il y a bien quelqu'un qui va venir chercher ce beau toutou-là. En tout cas, moi, je viendrai me chercher, c'est sûr. Mais bougez pas! Il y a un beau toutou ici! Yahoo! OK, je vous donne un indice. Il est gros, il est bleu, et non, ce n'est pas une grosse Pop-Tart géante. Aujourd'hui, le lac est à nous. On va pouvoir profiter de notre kayak pour aller observer le paysage et muscler nos bras un peu. En kayak, c'est spécial, on n'a qu'une seule pagaie. Donc, je te montre comment ça fonctionne. Premièrement, il va falloir réchauffer nos épaules. Donc, tu vas ouvrir tes bras sur le côté et tu peux venir faire de petits cercles bien contrôlés vers l'avant pour venir faire monter la chaleur dans tes bras. Et ensuite, on grossit et on exagère notre mouvement pour bien sentir les épaules se réchauffer jusqu'à changer de côté. À nouveau, on commence par des tout petit cercle, bien serré, avec un dos bien droit. Et tu vas commencer à ouvrir tes bras de plus en plus. Oh là là, ça va fonctionner, hein? Pour nos muscles, ça, aujourd'hui, on y va. Et on s'arrête au centre. On peut s'asseoir dans notre kayak et commencer à naviguer un peu. Allonge tes jambes devant toi, prends ta pagaie et commence à avancer tout doucement. Le vent dans les cheveux. Tu fais ton chemin et plus tu vas vite, plus tes pieds se décollent du sol. Attention, hein, on veut pas un dos rond, on veut une belle colonne bien droite. Et continue comme ça ici de pagayer. Tu peux ouvrir tes bras encore plus si tu veux. Faire comme si le bout de tes mains, c'était le bout de ta pagaie. Et on avance une main à la fois pour se retrouver un petit peu plus loin au centre du lac. On va prendre le temps de regarder le paysage autour. Et là, ce qui arrive quand on fait du kayak, c'est qu'on devient les jambes un petit peu coincées. Hein? Est-ce que tu veux les étirer? On va pouvoir placer les mains au sol et reculer les fesses pour avoir les jambes bien allongées ou juste légèrement pliées devant nous. Le ventre est rentré, la colonne est longue et tu viens attraper peut-être tes tibias ou tu fais marcher tes mains vers l'avant pour attraper l'arrière de tes gros orteils avec tes index et tes majeurs. Inspire, allonge, et à l'expiration, ton but, c'est vraiment de venir allonger la colonne autant que possible, comme si tu voulais venir mordre tes gros orteils. Donc, on y va encore deux fois. On allonge la colonne, inspire, poitrine vers l'avant, et à l'expiration, plie tes coudes, colonne longue, le ventre entre les cuisses. Et une dernière fois, allonge,
Et imagine que plus tu avances, plus tu fais avancer ton kayak bien loin dans le lac, jusqu'à arriver au centre du lac, là où ça ferait du bien de prendre une belle pause. Donc, tu peux te tourner sur le dos et placer tes pieds en papillon, donc la plante des pieds et les talons se touchent, et venir t'allonger comme si tu faisais juste laisser tomber tes mains dans l'eau de chaque côté de ton kayak pour te rafraîchir légèrement. On est vraiment relax. Tu as le droit de fermer les yeux. Tu peux garder les jambes comme ça ou les allonger. Puis prends le temps de continuer de respirer calmement. Par le nez. Le soleil tout doux qui plombe sur ta peau. On entend encore les canards au loin et on voit pratiquement plus les gens de l'autre côté en kayak. On est vraiment seul, relax, tranquille. Et il y a le soleil qui se couche au loin. Il s'en vient pas mal tard en fait. Ce serait le temps de rentrer là. Félicitations tout le monde! Vous venez de compléter un cube énergie. Donc maintenant, c'est le temps de dévoiler mon invité très spécial qui fera des cubes énergie avec nous toute la semaine. Roulement de tambour, Kimi! Salut Kimi! On se retrouve demain matin à 10h pour un autre Cube Énergie. Salut tout le monde!